Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode qui sera sur mes derniers achats maintenant que, on croise les doigts, les beaux jours sont enfin arrivés. J'ai fait quelques petits achats qui sentent bon l'été, qui sentent bon les vacances, etc. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui et je voulais vous faire juste rapidement une petite mention à cet objet de déco juste derrière moi. J'ai reçu un très chouette colis de la part de YouTube cette semaine avec cette lampe néon. Je suis trop contente, surtout que ça coïncide, je pense que c'est tout à fait le fruit du hasard, mais ça coïncide avec un nouveau cap franchi par ma chaîne puisque vous êtes désormais plus de 5000 personnes à me suivre. Donc voilà, juste une petite introduction pour vous remercier de toutes vos vues, de vos commentaires, de vos likes, etc. Ça me touche énormément. Et voilà, ma petite chaîne grandit de jour en jour, d'année en année, et je suis trop trop contente. Donc merci à vous. Je vais vous présenter tous les articles tout de suite. Et je vais également les porter pour que vous voyez le rendu sur moi. Il y a évidemment du Cézanne, il y a également des souliers Bobbies et des petites trouvailles petit prix aussi. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Maintenant que ma chaîne a franchi le cap des 5000 abonnés, je comptais un peu célébrer ça avec vous. Donc je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale, soit une vidéo foire aux questions, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas faite, ou bien un concours, qui sera le tout premier de ma chaîne. Donc dites-moi ce qui vous intéresserait le plus parmi ces deux options, ou bien les deux. Si vous avez une autre idée pour marquer le coup, dites-moi également en commentaire. Et voilà, on passe tout de suite au haul. On commence tout de suite avec mes achats chez Cézanne. Je ne sais pas vous, mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu un énorme coup de cœur sur les dernières collections. Moi j'ai repéré des pièces que je trouve très jolies, mais dans l'ensemble, je trouve les pièces un peu trop bariolées, un peu trop colorées à mon goût. Moi j'aime bien chez Cézanne acheter des pièces intemporelles que je peux reporter souvent et aussi saison après saison, et là je trouve que les dernières collections sont assez marquées par les tendances. Donc voilà, il y a plein de pièces qui me plaisent, mais j'ai pas non plus un coup de cœur sur la collection, les collections en tout cas au global. Néanmoins, j'ai quand même acheté deux pièces, dont celle que je porte actuellement ici, c'est la blouse Altea que l'on achète séparément pardon, mais qui vient également avec un pantalon qui est le pantalon Giovanni. Évidemment, j'aurais dû le boutonner avant de vous le montrer. De toute façon, je porterai les pièces pour que vous les voyez sur moi et j'incrusterai les séquences sur l'écran. Le pantalon se présente comme ceci. C'est un pantalon qui est assez taille haute avec deux poches plaquées sur le devant ici. La jambe est assez fluide et d'ailleurs très fluide. C'est un pantalon qui est très agréable à porter. Et la jambe est, je dirais, un tout petit peu large, mais pas trop non plus. Donc voilà, j'ai acheté cette blouse Altea qui va donc avec ce pantalon de Giovanni, mais évidemment vous pouvez bien sûr les acheter séparément et bien sûr les porter séparément. J'ai eu un coup de cœur sur cette tenue que je trouve vraiment très jolie, très estivale et en même temps assez chic et assez habillée pour l'été. Je trouve que c'est une tenue que l'on peut porter de manière assez versatile. Soit je l'ai portée pour une soirée au bureau avec... Qu'est-ce que j'ai porté avec ? J'ai porté une paire de baskets avec pour casser le côté un petit peu trop formel de la tenue, mais vous pouvez évidemment les porter avec une paire d'espadrilles compensées, des sandales à talons pour sortir le soir également, ou bien la journée. Aujourd'hui je suis allée au musée par exemple et j'ai porté cette tenue également avec des baskets. Je trouve que voilà, ça fait une silhouette vraiment très jolie et pas prise de tête pour autant, puisque vous avez juste à porter ces deux pièces là et vraiment votre silhouette est faite. Donc sur le plan esthétique, je suis super contente du rendu de cette tenue. En revanche, j'ai eu une toute petite mauvaise surprise quand j'ai enfilé le pantalon ce matin. Pour rappel, c'est une tenue que j'ai portée qu'une seule fois auparavant. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je le porte. Normalement, au niveau usure, les vêtements devraient être comme neufs. Et en fait, je me suis rendu compte que le pantalon commençait déjà à pelucher. Donc je suis un peu dépitée parce que la tenue au global coûte un sacré prix, donc je m'attendais pas à ce que on commence déjà à voir des marques d'usure. Je ne sais pas si vous allez le voir, si vous voyez, là ça commence à pelucher. Et voilà, je trouve que c'est pas vraiment normal. Également derrière, ça commence... Bon là ça se voit pas trop, mais
Ça commence également à pelucher, la matière n'est plus du tout... En fait, c'est comme si je m'étais frottée contre un mur ou contre du crépi, je ne sais pas. Mais comme vous en doutez, quand je porte des vêtements délicats comme ça, je fais très attention pardon, à là où je marche, là où je pose mes fesses également. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir ce genre de soucis. Donc quand j'ai vu ça ce matin, j'étais un peu perplexe, voire déçue. Je pense que je vais envoyer un mail à la marque. Évidemment, je ne peux plus retourner ces vêtements, ce qui est tout à fait normal puisque je les ai portés plusieurs fois. Mais voilà, j'aimerais bien quand même savoir pourquoi ça peut marquer aussi vite. Bref, voilà, je suis un peu déçue, surtout que, en fait, ça vient avec tous les commentaires que j'ai à propos de la marque ces derniers mois, le fait qu'elle utilise moins de matières nobles, pardon, au profit de matières un peu moins qualitatives à mon goût, un peu plus synthétiques. Ça, c'est un ensemble qui est en 100% viscose, je pense que ça aurait été très joli également en lin. Bref, je vais pas passer des heures dessus. Je trouve la tenue très jolie. Je pense que je vais la porter régulièrement cet été. Mais je suis juste un peu déçue de la qualité au vu du prix que j'ai payé pour ces deux pièces. On passe ensuite à mon maillot de bain pour cet été. Je comptais pas forcément en acheter et je rentre tout juste de Séville. J'ai passé une semaine géniale avec une amie en Espagne. Sous le soleil de l'Andalousie, c'est une région que je ne connaissais pas, je n'étais jamais allée à Séville et j'ai tout simplement adoré la ville. On en a pris plein la vue avec tous ces beaux monuments, on a très bien mangé. C'est une ville, je trouve, où on se sent bien. Donc voilà, j'ai passé une semaine très très agréable et pour l'occasion, je m'étais dit que j'allais acheter un nouveau maillot de bain. Sachant que j'en ai deux ou trois mais qui sont assez sobres. Et là, je suis tombée tout simplement sur une pub sur Instagram avec un maillot de bain qui était bien plus fun. C'est un maillot de bain qui vient de la marque End Other Stories. Des fois, c'est inquiétant à quel point l'algorithme nous cible bien, mais bref. Là, pour le coup, j'ai vu la publicité sur Instagram et je l'ai acheté tout de suite. C'est un bikini qui se présente comme ceci. C'est donc un deux pièces avec une brassière qui est bicolore, qui est donc rouge et rose Barbie, avec un tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais dire un tissu éponge, mais je ne suis pas sûre de moi. Bref, c'est un tissu qui est très agréable, donc le haut se présente comme ceci, ça vient avec des bretelles qui sont amovibles, moi je le porte sans, et vous avez la culotte qui va avec, et qui est donc bicolore aussi, rose et rouge, qui se présente comme ça. Je l'ai porté... Je crois qu'on a eu l'occasion d'aller à la piscine de l'hôtel deux ou trois fois. D'ailleurs, j'ai pas fait de vlog, mais j'ai posté plein de stories sur Instagram que j'ai laissé en story à la une puisque j'ai gardé... Enfin, je vous ai présenté toutes nos bonnes adresses, l'hôtel où on est allé, etc. Si vous prévoyez un long week-end ou si vous cherchez une idée de destination pour un long week-end, je ne peux que vous recommander Séville et d'aller voir nos bonnes adresses sur mon compte Instagram. Bref, tout ça pour vous dire que je suis fan de ce maillot de bain que je trouve très très fun. Il est très agréable également pour des raisons évidentes de pudeur. Je ne vais pas vous le montrer sur moi. Je vais vous mettre la vidéo, je vais vous mettre la photo pardon, du site de la marque où vous voyez le mannequin porter cet ensemble. Mais voilà, je le trouve très très chouette. Côté souliers, j'ai acheté deux paires de chaussures chez Bobby's. Il me semble que dans ma vidéo wishlist mode, que je vous remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté, je vous parlais déjà d'une paire de sandales que j'ai fini par avoir chez Bobby's. Et d'ailleurs, je vous mentionnais le fait que la marque proposait deux fois par an des braderies, donc c'est l'équivalent de leur solde. Ils le font à la fois en physique à Paris et en digital pour tout le monde. Et moi, je suis allée à la braderie parisienne qui a eu lieu début juin, je dirais. Ça s'est tenu sur 3 jours. Moi, j'y suis allée le premier jour. Et j'ai trouvé les sandales que j'avais repérées et que je vous avais présentées dans l'ancienne vidéo à un prix, mais totalement bradé. Il s'agit de cette paire de slingback qui se présente comme ceci. C'est une paire de sandales avec le bout fermé, légèrement pointu, mais avec l'arrière du pied qui est ouvert et qui est retenu par une petite lanière. Ce sont des sandales plates, il y a voilà, 2 cm à peine de talon. Et le cuir est très joli, il est doré, il est légèrement craquelé. Voilà, je trouve que c'est une paire de chaussures qui est très fun et qui égayera n'importe quelle tenue d'été, que ce soit
une robe vaporeuse ou bien un t-shirt blanc et un jean, je trouve que ça ira avec tout et ça apportera un peu d'éclat à n'importe quelle tenue un peu classique. Je ne me souviens plus du nom de ce modèle, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc voilà pour ce premier, cette première paire de souliers que je crois avoir eu à 65€. Bref, un rapport qualité-prix imbattable. Et d'ailleurs, elle s'était retrouvée également dans la braderie en ligne qui a eu lieu quelques jours plus tard. Pour ça, je vous conseille vraiment de suivre les réseaux sociaux de Bobbies ou bien de vous inscrire à la newsletter, pardon, parce que c'est comme ça que vous pouvez être informé des prochaines dates des ventes. La braderie en ligne a fermé, mais ça va bientôt être les soldes, donc probablement qu'elles vont se retrouver également à ce moment-là à prix réduit. Et la deuxième paire que j'ai achetée dans la vente parisienne de Bobbies, c'est cette paire de mocassins que je trouve trop jolie. C'est une paire qui est également plate, avec 1 ou 2 cm de talon. Le cuir est lisse cette fois-ci, avec une couleur qui est, je dirais, blanc cassé, légèrement crème, avec des détails dorés, avec un doré qui est assez doux, qui est pas trop clinquant. Et voilà, je les trouve trop chouettes. Ceux-là, ils sont super confortables. Je les ai portés déjà peut-être 5 ou 6 fois. Faut juste que je les ressemelle parce que c'est assez glissant. Mais au global, je suis très fan de cette paire qui, pareil, va avec tout. Je les porte avec un jean, avec une robe longue, avec un short également le week-end. Bref, je les trouve très chouettes. Le cuir est très souple, très confortable. Et voilà, je trouve que c'est une paire parfaite pour l'intersaison, quand il fait encore pas trop chaud. Faut juste que je veille à pas salir trop vite le cuir qui est très clair, donc qui peut vite s'abîmer ou se salir. Mais bref, très contente de cette paire de mocassins chez Bobbies également, que j'ai eu aussi à 65€ je crois. Donc voilà, si vous connaissez les prix habituels de Bobbies, la vente parisienne vaut vraiment le coup. Je vous mettrai sur l'écran l'affiche des prix. Si vous habitez à Paris ou en région parisienne, ça vaut vraiment le coup de s'y déplacer. Et si ce n'est pas le cas, vous savez qu'il y a une vente, une braderie en ligne qui a lieu également 2 fois par an. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder du côté de Bobbies au moment des braderies, des soldes, etc. Ça vaut vraiment le coup. Et pour finir, j'avais également 2 achats petit prix à vous présenter. À commencer par ce jean que j'ai trouvé chez ProMode, que j'ai reçu il y a 2 semaines et que j'adore déjà. C'est un modèle mom jean. C'est d'ailleurs un modèle que j'ai déjà dans un coloris blanc beige que j'avais acheté l'an dernier. Je suis quasi sûre que je vous l'avais présenté dans une vidéo haul également. Et j'ai repris la même coupe mais dans cette version bleue de Nîmes, qui est ma foi très sympa également. C'est un jean qui est taille haute. Évidemment, j'aurais dû boutonner ce jean également. C'est donc un jean taille haute avec 2 poches plaquées derrière, avec une jambe qui est assez large, qui est vraiment très confortable à porter. Et en fait, au bout, il n'y a pas d'ourlet, donc vous pouvez couper au ciseau, avec une paire de ciseaux qui coupe bien, selon la longueur de votre jambe. Et voilà, donc c'est un jean qui est trop cool. Le bas s'effiloche un petit peu, mais rien de dramatique. Et voilà, je trouve que c'est un jean qui est très relax, qui va avec tout. Je peux le porter en semaine au bureau avec une chemise ou bien le week-end avec un t-shirt un peu plus décontracté. Donc voilà, très jolie trouvaille chez ProMode. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je trouve que ProMode s'est vachement bien renouvelé depuis quelques mois, depuis 1 ou 2 ans je dirais. Je trouve qu'avant la marque n'était plus forcément très intéressante en termes d'offres. Et voilà, depuis quelques mois, depuis 1 an voire 2, je dirais que y a vraiment des produits qui sont vraiment très intéressants, des jolies choses qui sont bien coupées et qui sont proposées à des prix vraiment très intéressants également. Ce jean, je l'ai payé 40€, un tout petit peu moins de 40€, 39€ et des poussières. Donc voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que c'est un jean que j'aime beaucoup. Pour info, celui-là, je l'ai pris dans ma taille habituelle qui est le 38, mais dans cette version bleu de Nîmes, je pense qu'il taille un tout petit peu grand. À mon avis, j'aurais dû prendre la taille 36, mais écoutez, le 38 me va aussi avec une ceinture. Mais voilà, pour que vous sachiez, il taille un peu large si jamais vous décidez à l'acheter également. Et le deuxième achat petit prix que j'ai fait, celui-là je l'ai fait à Séville quand j'étais en vacances avec mon amie Pauline. On a fait quelques boutiques à l'occasion. Et là c'est un short de la marque Pull&Bear qui est ma foi très classique. C'est un jean, c'est
un short en jean pardon qui est taille haute, qui est dans un coloris beige très clair avec un petit revers sur la cuisse, deux poches plaquées devant, deux poches plaquées derrière. Celui-là je l'ai pris en taille 40. J'avais essayé le 38 qui m'allait mais que je trouvais un poil court, donc j'ai surtaillé pour qu'il soit un tout petit peu plus long au niveau de la cuisse et je me sens mieux avec cette longueur là. Et je l'ai déjà porté à Séville et il est super super confortable. C'est un genre de short d'été idéal qui va avec tout. Je l'ai porté avec un crop top, je l'ai porté avec un t-shirt en lin. Vraiment c'est le genre de short en jean pas prise de tête, qui est vraiment très bien coupé et qui est aussi très agréable à porter. Et je vous ai pas dit son prix, ce short m'a coûté 19,99€. Donc voilà, une très jolie trouvaille, petit prix. Et voilà qui conclut mon haul mode avec tous mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos derniers achats mode. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Je ne sais pas avec quoi encore. Probablement une vidéo lifestyle ou une vidéo beauté. Mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.